On est ce soir le premier du mois de janvier 2019 de la vulgaire, comme il dirait certains. Et on est le Kaf Dalet, le 24 du mois de Tevet. Chaim Tovim ou le Shalom, on remerciera le Shiur ce soir pour Sabrina Yahya Sherif, qui a, Bezrat Hashem, acheté ce chiour. On remerciera Sarah Waknin, Bar David, on ne donne pas ton prénom, Yonatan El Haik, qui a aussi acheté un chiour, et Léana Atali. Cette semaine, si Dieu veut, on essaiera de vous faire vos chiourim. Quoi qu'il advienne, on va dans l'ordre chronologique de ceux qui l'achètent. Vous pouvez dédier plus exactement, on n'achète pas un chiour, la Torah appartient à Dieu, hein. C'est pas du commerce. Oh, Bouchaba de Tel Aviv, ou juste que on peut tout à fait dédier un shiur pour l'élévation, la réussite, la refouah shlema. D'ailleurs, on prendra une refouah shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Metashem Atov, Ruth Batsara et Yehuda ben Eliyahu, Talia, Sarah bat Efrat Miriam, Chaya bat Miriam, Moratimik, Bevadai, Kol Chole Israël, Bechol Atabata, ou Bichlala. Refouah shlema de Shalom Eden. Shalom Eden. Shalom Eden. Bat Evelyn Simcha. Très bien. Ezrat Hashem. Chacun, Ezrat Hashem, le figurateur matal. Hein? C'est la refouat anefesh. C'est pas la refouat anefesh. Ça veut dire. C'est le pikabala, ça, refouat. Ah, donc c'est pas refouat anefesh. C'est Leilou Nishmat, peut-être. Non? Ah, refouat à nefesh, comme ça que vous dites, vous. D'accord. On dit chole nefesh chez nous. C'est presque la même chose. Très bien. D'accord. Refouat shlema, tout simplement. Alors, ce soir, le cours est un peu ambigu, parce que ça s'appelle le sanctuaire des femmes. Ça fait un peu Cécile B2000 comme titre. Le sanctuaire de la femme. Je vous avoue franchement que j'ai donné ces titres-là parce que mon épouse, que Dieu la bénisse, ne cessait de me dire quel titre j'annonce, et pour me débarrasser d'elle, je lui ai dit, bon, marque le sanctuaire de la femme, et je n'avais même pas de quoi... il a fallu que je trouve un chiour. Ashkelon est présente, Tel Aviv, Ashdod, Bihainara. Il n'y a pas Jérusalem encore. Yofi. Et effectivement, quand j'ai lancé l'idée du chiour, de parler d'un sujet qui concerne presque, je dis bien, presque un tiers de la vie des femmes. Et d'après vous, chères mesdames, où est-ce qu'en général les femmes passent presque un tiers de leur vie? Bon, ben, vous avez tout compris, c'est la cuisine. Au téléphone. C'est pas mal. Si je devais faire un cours sur le téléphone et les femmes, j'aurais dit... Où passe la femme sa vie? Je n'ai pas dit un tiers. Le téléphone, c'est plutôt au moins la moitié de sa vie. Non, dans le sérieux, on peut dire que vraiment, un peu moins aujourd'hui, à cause de Allo Pizza, Allo Sushi, Allo ce que tu veux, à Val de tout temps, les femmes passaient un tiers de leur vie, mamache, à la cuisine. On faisait les goûters, la petite maison dans la prairie, le midi, les femmes rentraient de toute époque faire à manger à leur mari, et ça se passe comme ça aussi dans le monde Haredi, et le soir, on mangeait à table, la femme était une fois de plus au fourneau. Donc moi, ce que je voudrais faire avec vous ce soir, peut-être un débat par la suite, hein? Oui, je remercie Shimon Marciano, à qui on souhaite un grand mazel tov, puisqu'il s'est marié, pour le micro. Il va se marier, il s'est marié, c'est pareil, il est amoureux de toute façon, Mazel Tov. Voilà, il nous a offert un micro spécial chemise pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, mieux nous entendre à distance, parce que ça va, je crois, jusqu'à 25 mètres. Effectivement, ça risque l'eau d'autre l'eau. Donc voilà, on va parler un petit peu de la cuisine selon la Torah. Qu'est-ce que nous apprendrait la Torah entre la femme et la cuisine? Vous savez que la Gemara nous dit que, au nom de Rav Yossi, par exemple, que la femme est appelée maison.
que la maison de l'homme, c'est le Beth Amidrash, et la maison de la femme, c'est Mamash, sa maison elle-même. La femme a une entité qu'on appelle dans les Tehillim Gvod Bat Melech Pnima, ça veut dire que toute l'identité de la femme, c'est sa maison. Quand tu veux connaître la psychologie d'une femme, il suffit de regarder sa maison, comment elle est tenue. Et tu sauras, Bezrat Hashem, plus ou moins, comment définir cette personne. Au niveau du caractère dans les Shlom Bayit, quand j'arrive pas, ça m'est arrivé plusieurs fois, je voudrais aller chez vous. Je le fais rarement parce que j'ai pas que ça à faire. Mais quand j'arrive à la maison, je regarde la maison, j'en sais beaucoup plus sur le couple que ce qu'ils pourraient même en dire grâce au fait de voir comment on tient une maison. Parce que eh bien, l'extériorité et l'intériorité d'une femme s'expriment par ses sentiments intérieurs, son ressenti, et comment la femme qui est remplie de gevura, qui est remplie de feu, qui est remplie de rigueur, eh bien, va tenir sa maison. Elle est d'un courage exceptionnel dans ce domaine, ce n'est pas le but du shiur, mais elle a... Dans cette maison-là, une partie, ça veut dire qu'il va décalquer un petit peu ses 248 membres à elle qui se trouvent dans cette maison. La Chassidoute nous dit et rappelle un événement qu'on retrouvera dans les Kitsure Shulchan Aruch et qui dit que la Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham, que depuis que le Créateur du monde n'a plus de Beth Amikdash, il a dit bon, ben, je veux m'arranger avec les couples en Israël quand il y a le shalom là-bas, il y a de la joie, il y a de la lumière, ça ne crie pas, ça ne s'insulte pas. Mais plutôt de l'amour, de l'harmonie, et ainsi de suite. Donc, je vais vivre avec eux. Pourquoi ? Parce que vous savez que le Créateur du monde a été capable de créer l'homme à l'image du Beth Amikdash. Ça veut dire que l'homme est un sanctuaire de par lui-même. On parle du cœur. Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Dieu repose dans les 248 membres du corps humain, 365 tendons, soit 613 en tout. Le Yud Kevavke qui est en nous, la DN qui correspond à Alef Dalet Nun Yud. Et ainsi de suite. Mais au niveau de la maison, vous savez que, on en a déjà parlé à maintes reprises, la chambre du couple représente le Kodesh HaKodashim, la table de la salle à manger représente le Mizbéar, c'est-à-dire là où on faisait les sacrifices, ce qui fait que celui qui veut avoir une bonne parnassa, celui qui veut faire une grande kapara, doit vraiment faire très attention à sa conduite à table, Ayen Beparashat Bechukotai du Ben Ishraï, qui explique comment se conduire à une table, d'où l'importance. Et puis surtout que vous savez qu'un tzaddik, un vrai tzaddik, ne se définit pas ni dans sa prière, ni dans son étude, ni au Beth Midrash. Un vrai tzaddik, quand est-ce que tu vois que c'en est un vrai? C'est quand il est à table. C'est face à la nourriture qu'une personne se définit vraiment. La volonté, dit Rabbi Nachman de Breslev, passe par trois pôles, que si cet homme arrive à les faire tomber, s'il est capable de les surmonter, de les vaincre, il deviendra un homme libre, libres de servir Hachem, qui sont capables de dire « j'arrête de manger », pas « j'arrête de manger, je fais un régime à vie », hein. Ça veut dire « j'ai encore envie, mais je dis non, parce que j'ai envie d'être en bonne santé », mishgal, les envies sexuelles, et pour finir, l'argent. Ça veut dire « je ne vis plus pour travailler, mais je travaille pour vivre ». À partir du moment où j'arrive à avoir une qualité de vie, même si je travaille, je suis un homme libre. Mais si je suis esclave de mon travail, esclave de mes pulsions, esclave de ma nourriture, je suis un esclave qui ne suis encore pas sorti d'une Égypte intérieure, comme l'enseigne la Chassidoute, en tout cas celle de Rabbi Nachman de Breslev, d'où les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, qui viendront réparer ces trois pôles triangulaires. La cuisine, elle, par contre, elle porte bien son nom. En hébreu, on appelle ça Midbar. Donc Midbar, vous avez compris que c'est Mem, Bet, Tat, Tet et Chet. Dans le Beth Amikdash, il y avait aussi le Beth Mechaim, comme vous le trouvez dans la Gemara, dans Maseret Avot. C'est là-bas où on faisait la Shrita, c'est là-bas où on tuait les animaux, c'est là-bas où on préparait tous les sacrifices nécessaires aussi bien au Kaparot, c'est-à-dire au sacrifice pour les gens, qu'à la préparation de la nourriture pour les Kohanim et les Lévim qui vivaient au Beth Amikdash à cette époque. Le Beth Mechaim, c'est-à-dire l'endroit où on faisait la Shrita, l'endroit où on préparait les animaux. Et c'est dans ce domaine que Mina Shamaim, la femme, depuis déjà toute petite, vous savez qu'aujourd'hui, ça fait un petit peu barbare en 2019, de l'air vulgaire, de dire, quand tu fais un shidduch, tu sais cuisiner, mais à l'époque de nos parents, je n'ai pas parlé de nos grands-parents, hein. Je parle de ma mère et de mon père. Les questions qu'on posait dans un shidduch, quand on rencontrait les parents, c'est, votre fille sait cuisiner? Aujourd'hui, c'est une question qui n'a même pas sa place. Aujourd'hui, c'est, t'es belle? C'est la première question. Ensuite, on va s'arranger sur l'école. C'est très chytrite, c'est très extérieur. Avant, on était dans les valeurs
Le roi Salomon d'ailleurs lui-même stipule dans le Shirachiri, dans le Sefer Mishlei 40e chapitre, qui dit là-bas, Velechem Matzlut Lotochel, tu ne mangeras pas le pain de la fainéantise. C'est-à-dire qu'un homme qui mangeait des mains de sa femme, c'était un homme qui, quelque part, s'associait à des degrés très élevés à un dialogue avec sa femme. On lui disait, maman, je te cuisine très bien. On appelait ça même des mots qui sont complètement oubliés pour nos enfants, cordon bleu. C'est ça en France, un cordon bleu, un mec qui dit, non, j'ai une corde rouge, ça te va ? C'est presque une caricature, mais on n'est pas loin de ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on oublie les vraies valeurs de ce que la femme pouvait donner. Maintenant, ce qui est très intelligent et très intéressant, on va essayer de voir ensemble ce soir, c'est pourquoi cette connotation, ce rapport entre la femme et la cuisine, malheureusement, est vu de façon péjorative. On peut parler d'une femme, tu dis, Brabi, retourne dans tes fourneaux. C'est tout de suite une insulte aujourd'hui. J'ai l'impression que, attends, mais moi je ne suis pas venu sur Terre pour être dans la cuisine, tu n'es pas content, tu n'as qu'à faire à manger, tu n'es pas handicapé, tu n'as qu'à commander. J'ai l'impression que dans le monde dit moderne, qui est le monde le plus catastrophique qu'on ait jamais connu, jamais autant de divorces, jamais autant de malheureux, jamais autant de suicides. J'ai entendu de quelqu'un qui travaille à la morgue à Paris qui m'a dit qu'ils n'ont jamais eu autant de suicides que cette génération. Il ne connaissait pas ça, quelqu'un d'âgé, qui un jour travaillait à la Banque de Paris, qui m'a dit qu'avant c'était une fois toutes les 40 secondes, là c'est devenu toutes les 4 secondes. Alors je ne veux pas faire un cours négatif, mais à l'époque peut-être que ça paraissait être moins waouh, mais on était beaucoup plus heureux. Aujourd'hui on a tout et on n'a rien dans l'absolu, les valeurs réelles ont disparu. Avant la Torah elle-même, dans les halakhot prescrites, les minagim que nous avons, eh bien, demanderont à la femme d'occuper une place très importante. Alors, cette place très importante, elle paraît complètement incomparable. C'est que si les Chachamim nous disent que la maison de l'homme, c'est le Bet Midrash, qu'est-ce qu'on fait dans un Bet Midrash ? Eh bien, on y étudie la Torah, on prie Hachem, on fait des mitzvot, la Shrina est dans le Bet Midrash. Ouais. De la même façon, la cuisine d'une femme est comparée à cela. Ce que j'étudiais cet après-midi brièvement dans le livre Kashrut Amidbar du Rav Aaron de Beit HaYehudi, Aaron Zakai, qui dit que Béhémeth, on n'a pas de notion de l'importance d'une cuisine dans le judaïsme. En prenant le Midbar. Alors moi, ce que je vous propose, si ça vous intéresse ce soir, c'est de faire un récapitulatif de l'importance de la cuisine dans le judaïsme, la préparation de la Kashrut, Alpisode. Ça veut dire que, comme j'avais fait un cours sur le secret de ménage du Pessah, pourquoi la femme et le ménage, j'aimerais vous faire un cours sur l'importance extraordinaire de la femme dans la cuisine qui prépare à manger. Des gestes anodins, des gestes qui se répètent, des gestes, voilà, ben, qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? Tiens, je vais faire des pâtes, je sors une marmite, je mets de l'huile, je mets de l'eau, je fais, et mina ce mot-là. Ma bidouk mistater, qu'est-ce que ça vient, d'une certaine façon, dévoiler, ou plutôt réparer au point de comparer l'étude d'un homme à la cuisine d'une femme. Beaucoup de personnes qui se permettent d'enseigner, j'ai entendu un cours qui m'a été, je l'ai pas moi-même vu, mais après j'ai été le voir pour être certain d'avoir entendu ce que j'avais entendu, par ignorance. C'est pas méchant, c'est pas des gens méchants, c'est des gens un peu ignorants, disons qu'ils manquent de l'étude, et ils se permettent de dire, femme fait à manger, c'est pas tellement important. Les plats d'une femme, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ça démontre vraiment une ignorance digne d'un chamor, pour dire des telles choses. C'est des gens qui vraiment ils n'ont pas étudié apparemment ni Rabbi Nachman, ni le Ben Ishraï, mais Forash, ni la Gemara apparemment. Ils ont apparemment feuilleté quelques bouquins sans les critiquer. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils se montrent sur YouTube à déblatérer des choses qui sont complètement fausses. Et moi, je peux vous lire noir sur blanc. D'ailleurs, j'ai préparé à vous lire noir sur blanc. Je pense que j'ai 5 minutes avant que vous veniez. Pour vous faire partager une étude de texte et non pas une étude de ce que je pense. D'où l'importance de comprendre et de savoir qu'il y a des parenthèses dans la vie qui paraissaient à nos yeux complètement banales, alors que le salaire des femmes va se situer justement entre sa relation entre elle et sa cuisine. Un truc de fou. On sait que d'un côté comme de l'autre, il y a 3 choses qui achètent un homme dans une maison normale. C'est le respect qu'une femme veut donner à son mari, laisser l'homme à sa place d'homme. Ok. C'est l'homme, allez. Je ne veux pas t'en coller une tout de suite, chérie. Allez, joue les hommes. C'est là. Le respect pour un homme est vital, tout comme pour une femme, ceci étant. Mais chez un homme, c'est le centre,
de sa personnalité. Sinon, si tu ne me respectes pas en tant qu'homme, alors je suis qui? Donc je suis une femme, donc c'est toi l'homme, donc je ne suis pas homo, donc ça ne fera pas. Je ne suis pas intéressé à être marié avec un mec, je vais être marié avec une femme. La deuxième chose, ça ne veut pas dire qu'une femme doit être soumise, hein, ne comprenez pas les choses comme il ne faut pas les comprendre, mais ça veut dire qu'une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Que vous le vouliez ou pas, c'est nous qui runons debout. Il y a une différence entre un homme et une femme, c'est vous qui donnez des enfants, c'est vous qui êtes capable de porter 9 mois des enfants, et c'est nous qui avons des hormones d'homme. Pas shoot, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Aujourd'hui, ils ont fait les toilettes pour... Il y a homme, il y a femme, et au milieu, il y a... Comment ça s'appelle? Je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc tamé, là. Des hommes-femmes, quoi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Dans le méchanisme. Hein? Non, non. Il y a un autre nom. Trans. Bon, un trans. Transgenre, Taïch. Ça, c'est pas une blague. J'ai vu ça un jour, il y avait marqué transgenre. Je dis, on dirait des Tunisiens qui ont marqué ça. Genre. Genre, il est en trans. Top. Bekitsov et Laïnian. La deuxième chose, à part le kavod qu'un homme a besoin, bien entendu, c'est d'amour. Et puis, pour finir, les chachamim nous disent qu'un homme, eh bien, c'est à travers la nourriture qu'on achète aussi son cœur. Si tu fais un bon plat, ça veut le dire à nos parents. Bon, calme-toi, je vais te faire un plat, tu vas kiffer. C'est bête, hein? Ça paraît bête comme ça, mais c'est tellement important. La femme, à cause de la faute originelle, ne peut pas être témoin. Elle ne peut pas être témoin. Dans le judaïsme, la femme, dans les 10 reproches qui lui ont été faits par Dieu, eh bien, elle ne peut pas être témoin à un tribunal. Sauf dans 2 cas. Il y a 2 cas de figure, il y en a même 3, mais je ne veux pas les développer parce que ce n'est pas le cours de ce soir, où elle peut être témoin. Le premier cas, c'est pour sa nida, Azimida al-Atsma, que là, elle est nida, elle n'est pas nida, par rapport à son cycle. Et la deuxième chose, c'est la cuisine. Ça veut dire que la cuisine, comme ça concerne réellement la femme, c'est elle qui va dire si Bémet, il y avait les 2 simanim pour un poisson, est-ce que Zekai, est-ce qu'elle a acheté vraiment du bœuf. Elle vient témoigner en cela, et son témoignage est important. Alors je voudrais comme ça vous lire très brièvement des titres, le Tochen Ha'inyanim, ce qu'on appelle, de quoi sont composés tous les éléments qui concernent le Midbar, c'est-à-dire la cuisine. Simalim avdelim ben behema lechaya, faire la différence entre un animal et un autre animal. Les signes qu'on trouvera chez un poisson. Manger de la viande qui soit strictement halak. Les œufs, s'il y a du sang à l'intérieur du jaune d'œuf ou pas. Il y a des milliers de lois. Hein. C'est impressionnant. Si je tourne les pages, tout ça, c'est le Tochen. Ça veut dire tout ce que le livre ici présent d'Alachot va nous parler de l'univers de la cuisine. D'accord? Je vous prends encore deux titres. Les Issur Tolaim, les interdits de manger des vers, vérifier chaque chose. Le Issur de manger d'une cuisson d'un non-juif. Par rapport à cela, Issur Bishul Goy, comme on vient de le dire, de ne pas manger la pâte, c'est-à-dire du pain d'un non-juif, ou de ne pas manger du Bishul, c'est-à-dire un aliment qui ne peut pas se manger cru, uniquement cuit, qu'un non-juif m'aurait fait. Le Issur Yain Neser, qui sort aussi de la cuisine, le vin inconsommable. Imbuvable. Ensuite, Melichat Abassar, la cachérisation de la viande, Issur Bassar Vechalal, les interdits entre le lait et la viande, Tvilat Kelim, Agalat Kelim, le fait de tremper les... En sof. On prendrait des heures et des heures à expliquer combien l'univers de la cuisine est un monde rempli d'alachot dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Est-ce que si je prends une marvate, voilà, donc je prends une poêle à viande, est-ce que si elle est batiomo, c'est-à-dire même si je ne l'ai pas utilisée dans les 24 heures, est-ce que si elle a été lavée complètement, est-ce que je peux l'utiliser pour cuire un œuf, ensuite le manger avec des laitages? Mais qui prépare ça en général? La femme. Donc vous voyez que tous les mélanges, très bizarrement, la cuisine, ça va se composer comme ça, si je peux me permettre, petit 1, rangement, petit 2, salir, petit 3, nettoyer, petit 4, vérifier tous les points minutieux de la halakha. Et pour finir, re-ranger. C'est un truc de malade. Tu mets la table, tu enlèves la table, tu remets la table, tu retournes. Stop! Mat kedekar chashuv. Pendant qu'un homme il est en train de faire les chadodi, les kratkala, ou pendant qu'un homme est parti prier, madame est en train de préparer les sandwichs aux enfants, et le petit déjeuner, la kalaks kamflaks kalli. Un truc de malade. Quoi, c'est ça mes mitzvot, et pour ça je sois en l'olamaba, tchouvaï ken. Alors mes faux ébats. Eh bien,
si je prends la guématria du mot Isha et Midbar ensemble, Isha, ça s'écrit de deux façons. Aleph Shin-E ou Aleph Yud Shin-E. Il y a deux façons d'écrire le mot Isha. En général, les gens qui font la littérature, les littéraires, on appelle ça, il n'y a qu'un Yud. Dans la Torah, c'est marqué sans Yud. Pourquoi ? C'est une voyelle Ne-Lemet. C'est une voyelle qui est abstraite, mais il y a un chirik en dessous du Aleph. Donc on peut l'écrire avec ou on peut l'écrire sans. Là, c'est écrit avec le Yud, Aleph, Yud, Shin-E. Et le mot Midbar, si je relis le mot Isha et Midbar, j'obtiens la gématria de 375, qui correspond à la gématria de Nefilat Haetz, c'est-à-dire l'arbre qui tomba. Il y a un rapport entre l'arbre qui est tombé. Les Parchanim nous disent, nos sages, nous disent qu'en réalité, si la femme aujourd'hui, contrairement à l'homme où il y a marqué Bezeat Haperatron que tu mangeras, une fois que lui est parti chercher à la sueur de son front la nourriture, la parnassa, si vous préférez, c'est comme ça que ça se passait, eh bien, d'un coup, il remet bizarrement ses sacs de course, si vous préférez, dans un langage moderne, à sa femme. Et sa femme va prendre tout ce qui était cru, tout ce qui n'était pas consommable tel quel dans l'absolu, et puis le travailler, et bizarrement, elle l'amène à l'homme. C'est comme ça que ça se passe en général. Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça que ça se passe. D'accord ? On fait moitié-moitié, vous cuisinez, on mange. C'est un bon deal. Faire déchirer. Et, ok ? Mais faux ébats. Le Ben Ishra explique, ainsi que d'autres extraordinaires commentateurs, que tout ça, ça vient de la faute originelle. Ça veut dire que, à la base des bases, dans cet arbre qu'on appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a été consommé le vendredi soir, juste avant l'entrée de Shabbat, il y avait toutes les espèces à l'intérieur de cet arbre. Même si la Gemara nous dit dans Sanhedrin et dans Brachot qu'il s'agissait là-bas de chita, de blé, de figues ou de raisins. Le Zohar nous dit qu'il s'agissait d'un... comment on appelle ça ? Je ne sais pas pourquoi les noms ne me viennent pas, c'est bizarre. Je crois qu'il faut qu'on parte en vacances, je suis un peu fatigué. Un étrog, il y a plein de déhotes. La déa la plus reconnue, c'est les fruits extérieurs et les fruits intérieurs. Dans le Hetz Hadaat, il y avait absolument tous les fruits. Tout se trouvait à l'intérieur. Le fait d'avoir pris ce fruit spirituel, parce qu'on parle que de spiritualité dans l'absolu, et d'avoir donné au Nahash, on a fait tomber l'arbre. Ça veut dire qu'on a fait tomber l'arbre. Eh bien, ça veut dire que tout s'est mélangé, toutes les espèces se sont mélangées et tout est devenu inconsommable. C'est pour ça qu'on a dû déménager. Et où est-ce que c'est tombé ? Tu dis, d'accord, Nefilat Haetz, la chute de l'arbre. Mais où est-ce que c'est tombé ? C'est tombé dans la Klipa. C'est tombé dans le monde d'en bas. C'est pour ça que Dieu ne va pas nous punir dans l'absolu. Dieu est bon, on l'appelle même le bon Dieu. Vaïgaresh otami ganedem ikedem, il les a renvoyés du ganedem. Waouh, quelle punition. Après tout ça, tu, en plus, tu les vires du Gan Eden parce qu'ils n'ont fait qu'une seule faute. Atkedekar, tu es dur. Il dit non. En réalité, ce n'est pas que je les ai renvoyés du Gan Eden. Je les ai renvoyés du Gan Eden parce que maintenant, le Hetz Hadaat, il est tombé sur terre. Donc, je les ai renvoyés sur terre. Pourquoi ? Pour qu'ils révèlent à travers les quatre éléments ce qui est tombé par terre doit être raccroché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi ? Moi, ça veut dire que tout simplement, l'homme, une fois qu'il a été renvoyé du Gan Eden, s'est mis à travailler la terre, relever tous les aliments de la terre, que ce soit du minéral, du végétal, ou même les animaux. Et cet ensemble arrivera tôt ou tard dans une cuisine, dans une midbar. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le tikkun de nos vies a démarré d'un manque de bitachon bachem. C'est quoi bitachon ? Confiance en Dieu. D'accord ? Et à cause de cette provenance de manque de bitachon, donc dites-moi en hébreu le mot, quelle est la lettre qui signifie en hébreu provenance ? Il y a fait meod, même, mais aïn batal, les an, lamed, c'est direction. Même en hébreu, c'est provenance. Donc ça commence par. Et maintenant, étant donné que tout a été mélangé, mélangez-moi le mot bitachon, bet, boteach, plus exactement, bet, tet, chet. Ça fait les lettres du mot mid. Simplement parce que de là-bas est venu tout le problème. Ça veut dire qu'une femme qui fait à manger en l'honneur de ce tikkun extraordinaire de refaire à manger. Pourquoi Dafka la femme, miskina ? Allez, moi je mets les pieds sous la table et toi l'homme, va faire à manger. T'es pas handicapé. Les plus grands cuisiniers sont des hommes. Les chefs cuisiniers dans le monde entier sont des hommes. Allez, serre-moi la malo. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Avant, ça n'existait pas, ça.
En aucun cas, aucune époque, les hommes étaient dans la cuisine, les femmes ici. Dans cette génération, on trouve ça de plus en plus. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin du tikkun. Donc, comme on est arrivé à la fin du tikkun, ces femmes ont de moins en moins ce rôle à jouer. Mais quand elles allaient dans la cuisine, dans le midbar, donc dans quoi? C'est les lettres midbar. Si vous inversez les lettres, vous les remettez dans l'ordre. C'est les lettres du mot bitachon. Midbar, mina bitachon. Là-bas, la femme est capable de réaviver tout le système de la nourriture qui est tombé à même le sol en le réparant. Elle va prendre des minéraux et elle va les travailler. Elle va retirer la saleté qui est sur eux. Pourquoi? Après, elle prend du végétal, elle prend des carottes. Vachement intéressant la vie d'une femme. Qu'est-ce que tu fais? J'ai plus des carottes. Et là, c'est quoi? Des carottes. Après, j'ai plus des pommes de terre. Ouais, je m'éclate dans la vie. Ouais, tu vas faire quoi? Tu vas faire des pommes de terre sautées, j'en sais rien. Tu vas préparer tes haricots, tu vas les laisser tremper. Pourquoi? D'abord les nettoyer, faire monter les petits insectes qui sont interdits. Ensuite, il faut les travailler. Ensuite, il faudra les faire cuire. En même temps, avec l'autre main, il va falloir préparer le poulet. Et puis, le poulet, il faut bien voir qu'il est dans la bonne cuisson. Et j'ouvre et je mets les trucs à l'intérieur. Je regarde si c'est assez cuit. Waouh! Et ça se mange en 5 minutes, c'est ça qui fout les boules. 3 heures de cuisine, 5 minutes à table. Zeksh. C'est dur! C'est très dur parce qu'on ne se rend pas compte de la valeur des choses. Rami, ils ne disent pas du tout. Tu ne peux pas savoir à quel point ce travail qui a été comparé à l'étude des hommes dans un bête midrash quand sa femme, elle est dans son bête midrash à elle, qu'elle est en train de réparer. Qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah? Réparer la faute originelle. Tout le système de l'étude de la Torah de nos mitzvot, c'est de réparer tout ce qui est en rapport avec la faute originelle. Nous, on est dans quoi? Dans le côté pratique de la lumière de la Torah qui nous a été éteinte. Donc on la récupère, on doit l'étudier, c'est notre tikkun à nous. Mais la femme, elle, quand elle a fauté, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mangé. Vous avez remarqué que le tikkun des femmes, c'est de goûter tout le temps leur nourriture? Elles mangent d'abord, et après elles font quoi? Après elles font quoi? Elles l'amènent au mari. Qu'est-ce qui s'est passé pour Ève? Ève, quand elle a consommé, elle a goûté de l'arbre, elle ne l'a pas mangé. Elle a juste goûté. Elle dit, attends, mais c'est pas bon ça. Attends que moi je suis condamné à mourir, comme le Créateur l'a dit à mon mari, il va prendre une autre femme, mais là, je meurs, il meurt. Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris dans un plateau le fruit de la connaissance du bien et du mal, et lui a apporté. Le Créateur du monde, il lui a dit, il va falloir que tu refasses exactement ces mêmes pas à l'envers pour réparer cette faute. Toi, maintenant, tu vas remettre le Etz Hadaat en fonction, avec connaissance, savoir cuisiner. Les vachelles en hébreu. Okay? Et à l'écart, toi, tu prendras ce plat, tu l'amèneras à ton mari. Seulement, au lieu de lui amener pour le faire tomber, tu vas lui amener pour le faire élever. Pourquoi? Comment je vais l'élever? Grâce aux bénédictions qu'il va faire dessus. Baruch ata Hashem, source de bénédiction. Baruch, ça ne veut pas dire béni soit Dieu. Tu ne bénis pas Dieu. Baruch, ça veut dire que lui est le makor de la bénédiction. Béni est l'Éternel, Shakol Yabidvaro, parce que la parole de Dieu a été trahie. Boré péri aetz, pas de cet arbre que tu as fait tomber, mais qui a créé ce fruit de l'arbre. Boré péri ha-adama, de cet aliment qui vient de la terre. Boré miné mezonot. Tu verras que ha-motzi lechem min ha-aretz, le birkat Amazon, c'est une nourriture qui non seulement ne tombe pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Si la femme ne nous faisait pas à manger, c'est-à-dire si elle ne réparait pas ce côté-là, pendant que nous, on serait en train d'étudier la Torah pour que nos brachot soient faits avec plus de kavanot, cette complicité entre l'homme et la femme, le couple qui représente le symbole absolu de la famille juive, eh bien, on ne pourrait pas réparer le Etz Hadaat. Ce serait impossible. D'où l'importance extraordinaire pour la femme de se retrouver face à son Beth Midrash, à elle, son sanctuaire, un lieu de sanctification. Et c'est bizarre parce que vous avez remarqué que les femmes, personnellement, en général, hein, je parle pour vous parce que je ne suis pas une femme, mais d'expérience, les femmes n'aiment pas qu'on rentre dans leur bureau. Les femmes n'aiment pas qu'on mette ses mains dans leur cuisine. Il y a quelque chose de très personnel entre la femme et la cuisine. Il y a deux lieux en général que la femme n'aime pas qu'on rentre. C'est sa chambre et sa cuisine. Mais quel rapport? La chambre, je comprends, c'est une question d'intimité, c'est personnel. Mais la cuisine, moi je vous dis ça parce que chaque fois que, depuis que je suis petit, même avec mon épouse ou partout où j'ai été, avec, t'as invité quelque part. Non, touche pas, je m'en occupe. Où sont les casseroles? En général, les gens disent pas, bon, tu te débrouilles dans la cuisine. J'ai rarement entendu une femme dire à une autre femme, tu te débrouilles dans la cuisine. Non, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que...
Qu'est-ce que tu veux ça? Non, voilà, ça c'est là, ça c'est là. Là-bas, tu touches pas. Là, c'est makara basahakol, même si c'est sali, nettoie. C'est intime, c'est personnel, c'est un cheshbon shunim tzamamash benenu. Regardez ce qu'écrit. Nous sommes dans le Likutei Etzot de Rabbi Nachman. Regardez ce qu'il marque. Ça vous intéresse? Bon, irébe yachad, machekotev morenu arav, Rabbi Nachman de Breslev, moade Hashem ilchot Shabbat, conseil sur le Shabbat. Tzarir kol adan le amshir kdushat Shabbat le kadesh et meachol. Donc, on se doit tous de prendre la kdusha du Shabbat, donc faire rentrer Shabbat avant l'heure et faire sortir Shabbat après l'heure pour que la kdusha du Shabbat s'imprègne dans le monde du chol. Jusque-là, ça va. Ulfi akdusha shem kadesh et meachol. Et comme tu vas sanctifier le jour du chol, ouais, kach nitra zohamat anachash. Ainsi donc, tu enlèveras l'impureté du serpent originel, dit Rabbi Nachman, qui continue à envahir le monde à travers la Touma qui est dans nos esprits. Ketz kol basar, car comme toute la fin de tout vivant, Roar Sahara va lier des olé adibour. Et grâce à cette Kedusha de Shabbat Kodesh, tu vas faire monter le dialogue, la parole, et à amoindrir les clipotes, c'est-à-dire les mauvaises choses de ce monde. Et là, écoutez bien. Ouvrez bien grand vos oreilles. Je vous le lis d'abord en hébreu, pour ne pas que les gens y croient que je... Parce que malheureusement, on est un peu dans la génération dont on explique les choses comme on le ressent ou comme on le comprend, nous. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est ce que je comprends. Mais je vais vous lire en hébreu, parce qu'il y en a qui parlent hébreu parmi vous. Et vous le comprendrez peut-être différemment. Achilat Shabbat Yekara Meod. Pardon, je reviens en arrière. Achilat Shabbat Yekara Ugdusha Meod. La nourriture de Shabbat Kodesh est d'une importance primordiale. Yekara Meod, ça veut dire elle est extrêmement précieuse en français, on dirait comme ça. Et sa kdusha monte presque à l'infini. Écoutez bien. Ki achilat Shabbat na'asa kdusha ve'elokut gamur. Car la nourriture de Shabbat est d'une telle dimension qu'il n'y a aucune pustule d'impureté à l'intérieur. J'ai une question à vous poser. C'est une parenthèse qui monte à l'esprit. En réalité, c'est faux. Ça ne monte pas maintenant à l'esprit. Ça m'était monté à l'esprit dans une étude que j'ai faite la semaine dernière et qu'il me revient maintenant. Si donc le fait de faire à manger pour une femme, c'est de réparer le Etz Hadaat, qu'elle est partie consommer, qu'elle est partie arracher, qu'elle est partie prendre par manque de bitachon bachem parce qu'elle a cru le Nachash, le serpent, quel jour, justement, il n'y a pas eu de faute du tout, ils se sont tenus à carreau? Le jour du Shabbat. Donc, est-ce que la femme a besoin de cuisiner le Shabbat? Et si elle cuisine le Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle estime que même le Shabbat, elle a fauté. Juste que vous compreniez. C'est-à-dire que pour rentrer dans la kdusha du Shabbat, il faut préparer les plats de Shabbat avant. C'est un truc de fou. Maintenant, si vous observez bien, quel est le moment de la semaine où, quand on vient pour justement manger des fruits du Shabbat Kodesh où les plats sont prêts, quand est-ce qu'on court le plus? Le vendredi. Et particulièrement quand? L'après-midi de Shabbat. Au moment où le fruit a été pris, c'est un moment de course pour toutes les femmes de préparer le Shabbat, mettre la table et tout arranger. Et bizarrement, qu'est-ce qu'elles veulent faire absolument toutes les femmes du monde entier juives? Elles veulent ranger leur cuisine avant l'entrée de Shabbat. Partout, dans toutes les maisons ashkenazes, farah, tunisiennes, marocaines, algériennes, il y a un principe qui est dans notre sang, c'est que tout doit être pris, tout doit être prêt, tout doit être déjà. Bon, mais c'est d'ailleurs, après tu feras la cuisine. Je rentre dans le Shabbat et la cuisine doit être prête. Comme si on a réparé le Etz Hadaat. Donc si le Etz Hadaat il est réparé, tu comprendras bien que le Shabbat, tu n'as pas le droit de cuire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de ce tikkun. Tu vas juste, tu sers, tu t'assois et tu manges avec ton mari. Tu t'assois, tu profites avec lui. Tu profites en famille. Pourquoi? Parce que le tikkun est fait. Je referme cette parenthèse. On est chez Rabbi Nachman. Belot arovet sigim klal. En deux mots, tout est nickel dans cette nourriture de Shabbat. Ve'en helek la sitra ahara me'achilat Shabbat klal ou klal. Il réinsiste. Il n'y a aucune tarovet du etz hada'at dans la nourriture de Shabbat. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas le droit de pénétrer la nourriture qu'on mange le jour du Shabbat. La nourriture qui a été préparée quand? Le vendredi. Ouais. Ki achilat Shabbat kodeshu.
Parce que quand une femme, elle prépare son Shabbat, il faut savoir que la nourriture qu'elle a préparée, il est indigne de Kodesh Lachem. C'est Kodesh Hu. C'est pour ça que le Ben Ishra écrit dans Niflaot Maasecha que la nourriture qui est faite en l'honneur du Shabbat peut faire teshuvah à quelqu'un, mais des fois même plus qu'un cours de Torah. Comme ça, c'est marqué dans Niflaot Maasecha. Vous voulez que je raconte l'histoire en deux mots? Ça se passe à Bagdad, comme ça dit le Ben Ishra. Niflaot Maasecha, c'est le Ben Ishra qui a écrit tous les miracles qu'il a vécu dans sa jeunesse. Il raconte comme ça l'histoire d'un jeune homme de 16 ans qui a voulu se convertir à l'islam et qui s'en est pris à sa mère, à son père, à le faire cuire un œuf, je ne vous dois rien, je ne vous ai rien demandé, je veux devenir ceci et cela. Et quand il est parti voir l'imam lui a dit non, vous les juifs, vous êtes juifs, même si vous convertissez à l'islam, il n'y a pas chez vous. Un juif, ça reste un juif, ça va, c'est bon. Tu vas me la jouer à la Wakbar deux minutes et tu vas retourner à la synagogue après, c'est bon. Il lui a dit, non, je te jure, voilà, je vais convertir et tout. Il lui a dit, voilà, d'accord. Il dit, viens, on fait un deal. Vous avez un grand rave. Apporte-moi une lettre de ton rave qui dit qu'il s'est découragé de toi et je te convertis à l'islam. Il lui a dit, ah, je m'en occupe. Il est parti voir son rave, il lui a dit, ah, tu peux me faire une lettre? Il lui dit, chas v'shalom, mais tu fous quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mieux vaut être l'origine qu'une copie. Et il lui parle, jour après jour. Il lui arrête tes bêtises. Il lui montre par A plus B que le judaïsme est vrai. Et lui, il lui a dit, va au diable, tiens ta lettre et va te convertir et va te suicider. Tu m'as fatigué l'esprit et le moral. Il arrive comme ça avec sa lettre. Il arrive dans le quartier musulman. Enfin, il avait quitté le quartier juif, lui, exactement, parce qu'on est à Bagdad. Et à ce moment-là, il rencontre une personne. Apparemment, cette personne dont parle Ben Ishraï, c'est lui-même qui a dit à ce jeune homme, waouh, ça veut dire que tu vas plus manger le couscous boulette de ta mère le vendredi soir. Il s'est arrêté net. Il lui a dit, punaise, j'ai pensé à tout sauf à ça. Il lui a dit, attends deux secondes. Ma mère m'a dit, Rony, t'as raison. Il prend la lettre, il la jette, vaut chazar la bait. Il lui a dit à sa mère, comme ça rencontre mon iflot maasecha. Maman, c'est grâce à ton plat de Shabbat que je ne me convertis pas à l'islam. Moi-même, je me souviens quand on était jeune. Que Dieu bénisse ma mère, une grande sadéquette, ma mâche, même si elle n'est pas très haute de taille, je peux voir si sa neshama arrive jusqu'au ciel, Baruch HaShem. On était 30, 40, 50 au Shabbat. C'est Yéfchard d'expliquer ça en 9 enfants, donc 9 copains, plus les cousins, plus les invités, des tables qui n'en finissaient pas. Et on n'était pas chômeur Shabbat. Personne ne l'était chez nous. Personne. C'était l'époque du disque de Pessah. Et pendant que nous, on parlait de politique, de football. À cette belle époque, ceci étant en France, on était très très loin. Et on fréquentait des gens qui ne pouvaient pas nous voir, comme Stevie Wonder et... Ce qui était avec... Bon, c'est pas grave, c'est... Richards. On était dans une époque un peu enfumée comme ça dans l'esprit. Mais c'est vrai qu'il y avait une chose qui m'a toujours marqué. C'était le poisson de Shabbat, les boulettes de Shabbat, le couscous de Shabbat, le couscous Nikitouche, le couscous... Hein? Le pain, oui, le pain de Shabbat, tout à fait. Ce n'était pas la baguette, c'était le pain de Shabbat, purement maisonnote, il y a tchécologique. Mais c'est le pain sucré qu'ils nous donnaient, nous, on ne connaissait rien, mais ce n'est pas grave. Ben, résultat des courses, les repas de Shabbat, c'était ça, notre Shabbat. Et ben, on a fait tchouba. C'est-à-dire que grâce à cet élément qu'on appelle les plats de Shabbat dont il parle ici, il n'y a pas de mauvais, ça nous a nettoyé de nos clipotes et ouvert notre cœur à accepter le Shabbat Kodesh. D'où l'importance de ne pas les alzèles dans les plats de Shabbat, puisque le Ben Ishraï dit que le ikar de la mitzvah de Shabbat, c'est les trois repas. Le ikar, le principal. Et l'étude, et les prières, je vous raconte. Quel est le ikar? Il disait le tikkun. Le tikkun de Shabbat, c'est les trois repas de Shabbat. Et ainsi, il dit comme ça. Ki achilat Shabbat kodesh kulo elokut. Dit le Ben Ishraï, le Rabbeinu. Quand tu manges les repas de Shabbat, vous vous rendez compte ce que vous êtes en train d'entendre quand vous faites votre Shabbat fatigué avec les varices, l'enfant qui tire ici à droite, à gauche. Ouais. Vous avez retenu que les varices dans l'histoire. On retire les varices. C'est comme là, tu dis, mémé, t'as les bas qui tombent. Mais j'ai pas de bas. Ah, pardon. Bekitsour, Omer, qui achilat Shabbat Kodesh ou kulo elokut. Quand tu manges des plats de Shabbat Kodesh,
tu manges Elohim, qui vient Chol. Donc, tu peux manger Dieu. Et tu dis, tu manges la Gdusha de ce Dieu qui t'a ordonné de ne pas manger du Hatzadat Tovara. C'est ce que tu manges le Shabbat Kodesh. En d'autres termes, je ne mange pas les plats de Shabbat Kodesh. Je mange le Shabbat en plat. Vous voyez la différence ? Le Gaon de Vilna nous enseigne que le plus grand médicament qu'on trouve, il y en a deux dans l'année, la matza et les plats de Shabbat. Quand quelqu'un était malade, le Gaon de Vilna disait toujours, mange. Il dit, non, je ne peux pas, je suis malade. Il dit, parce que tu n'as pas mangé, tu es malade. Mange et tu ne seras pas malade. Un jour, il a dit ça à sa femme. Tu es très, très malade, je ne peux pas manger du plat, vraiment, je ne suis pas bien. Il lui dit, ma femme, c'est parce que tu n'as pas mangé que tu ne peux pas bien. Mange les plats de Shabbat, vous allez râper au tard. Pourquoi ? Parce que la nourriture du plat de Shabbat, elle vient du Etzraïm, de l'arbre de la vie. Elle réavive tout le corps humain. Les Gdolim, une question qui avait été posée à Baba Salé, c'est bientôt ça, Iloula. Comment Baba Salé, dans une époque comme la nôtre, il atteint le niveau des Tanaïm ? Un homme, il disait un mot, ça se réalisait. Comment il a fait cet homme-là ? Baba Salé, il a dit, parce que je ne mange que du Etzraïm. J'ai pas compris. Il lui a dit, moi, je mange que le Shabbat. Il jeûnait de Motzé Shabbat à l'entrée de Shabbat. Il mangeait rien de la semaine. Alors, j'ai posé la question à ma mère, il y a très très longtemps, je ne sais même pas si elle s'en rappellerait. J'ai dit, moi, en Tunisie, parce qu'ils sont d'origine tunisienne. Moi, je suis né en Gaule. Comment on faisait comme nous ? Parce que nous, à Paris, je l'explique en deux mots. Quand venait le Shabbat, c'était des tagines, ouais, mais à ras-bord. Quand on mangeait le dimanche, lundi, mardi, on avait nos plats. Le dimanche, c'était spaghetti, c'est tunisien, hein, spaghetti avec l'entrecôte et les deux flics. J'ai oublié les noms, c'est incroyable. Starsky et Hutch, c'est le minag tunisien. Starsky et Hutch égale entrecôte et spaghetti à la sauce tomate. Mardi soir. Aval, dans l'absolu, je vous dis franchement, la semaine, on mangeait des plats de Shabbat. Et les Chachamim nous disent, quand tu faisais le pain de Shabbat, les restes de Shabbat. Ça veut dire qu'en réalité des réalités, pour manger le Etzraïm toute la semaine, il faudrait que tu fasses de ton Shabbat un peu ce que tu fais de tes courses. Vous avez remarqué ce qui se passe, c'est extraordinaire. Vous faites en moyenne les courses combien de fois par semaine ? Une fois. Quand est-ce que vous les faites ? Pourquoi ? Pour le Shabbat. Et de ce Shabbat, les courses, eh bien, on les étale pour toute la semaine. Eh bien, à l'époque de nos mères, quand on faisait à manger le Shabbat, quand elles préparaient le pain de Shabbat, allez, combien on va être ? 5, 10, 15 ? Elles préparaient 20 pains. Et qu'est-ce qu'elles faisaient avec ce pain ? On le gardait pour le manger la semaine. Mamie, t'as fait une tagine comme ça, on est 10 ce soir. C'est pas grave, tu vas la manger lundi, mardi, mercredi. De tout temps, ça a été comme ça. Pourquoi ? Ils disaient parce que tu manges la gdoucha de Shabbat même pendant la semaine. C'était le secret de nos grands-parents. Ils étaient peut-être pas très pieux, mais ils avaient Haif Rabbi. Ils avaient la crainte du ciel. D'où est-ce que ça venait ? Ils ne mangeaient pas de la nourriture de la semaine. Et le Ben Ishra écrit ça noir sur blanc. Il dit, quand il s'agit de la nourriture de la semaine, mange très 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 peu. Juste de quoi te nourrir, laisse un quart de ta faim. Ah ben le Shabbat, Bete Avon. Mange Ad Belidai. Pourquoi ? Parce que cette nourriture-là, elle est Kodesh Baivarim. Elle te purifie, Bichlal, tous tes membres. Donc regardez lui ce qu'il dit, ça va carrément loin. Ki achilat Shabbat Kodesh ou Kulo Elokut. Comment vous le traduirez ça ? Kulo Elokut ? C'est totalement divin. Il y a Kulo Kodesh. Et il marque encore. C'est Kulo Kodesh. Ve'alede achilat Shabbat Nichna. Venit batel akas. Et il dit comme ça Rabbi Nachman. Tu sais pourquoi toute la semaine tu continues tes averot ? Tout ça c'est régénéré par une mida qui est en toi que tu ignores. Peut-être qu'elle ne s'exprimera pas de façon pombite extérieure, mais en réalité, tout ça, ça vient d'une seule chose. Rabbi Nachman nous apprend en psychologie, tu as une colère intérieure que tu ne gères pas. Ça s'appelle l'orgueil. Et il dit Rabbi Nachman, écoutez bien les mots. La gdusha de la nourriture de Shabbat, elle aide à chilat Shabbat, nichna venit batel akas anaal, la colère dont je t'ai parlé qui rôde dans ton estomac et dans ton foie. Tu es constamment dans une colère, une révolte intérieure.
Cette révolte intérieure, elle peut démarrer en deux secondes. Tu me saoules, j'en ai marre, je vais quitter cette maison, j'en ai ras-le-bol, je vais casser, je ne supporte plus, je ne tolère plus, je ne veux plus. Oh, Makara. Oh, mère, tu sais ce qui va te réparer de ça? Tu vois, quand tu vois une femme qui est dans sa cuisine en train de préparer à manger, elle est en train de préparer ce qui vient en dessous de toutes les fondations. Rabbi Nachman, il dit, quand tu manges le Shabbat Kodesh, tu es machnia et ta casse. C'est-à-dire, tu es en train de minimiser la force de ta colère et de ton orgueil intérieur. C'est le salaire d'une femme dans son équilibre, comme c'est marqué dans le livre du Rav Aaron Zakkai dans le Midbar, il dit ici, la gdusha d'une femme dans la cuisine, c'est l'essence même duquel il est marqué Chochmat Nashim Banta Beta, que la sagesse d'une femme, c'est elle qui construit toute sa maison. Et d'où elle a construit? D'où est-ce qu'elle a construit? De là-bas. Il dit, tu vois un enfant, quand il pleure, en général un bébé quand il vient au monde, quand il pleure, pourquoi? Au niveau de ce qu'on peut trouver, il a peut-être un petit peu mal aux dents ou il a fait dans sa couche. Allez, le bébé, il pleure vraiment. Ça veut dire quoi? J'ai faim. Et quand tu lui donnes son biberon, tu as remarqué, son petit-fils, à lui particulier, dès qu'il prend le biberon, il fait comme ça. Yesh lo bitachon. Il dit, quand une femme, elle est dans la cuisine, elle prépare les plats de Shabbat Kodesh. Quand elle prépare les plats de la semaine, Mikol Alev, et qu'elle fait ce tafkid-là, sachant que c'est pas Stam. Allez, qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? T'es sûr que tu veux manger? Mon Dieu. At metakenet et haolam. Tu es en train de réparer la faute originelle. À tel point que le Rav Aaron Zakkai, il dit, vous regarderez quelque chose d'incroyable dans les prophètes. Quelle va être la première chose que va faire Hachem, le créateur du monde, quand il y aura la Géoula? Il y aura la Géoula, le monde sera rempli de la connaissance de Dieu, comme les océans sont couverts par l'eau, et il y aura plus de guerre entre les hommes, il y aura le Beth Amikdash qui descendra ou pas du ciel, où on va le construire, c'est Mahloket Rashi Tosfot, peu importe. Mais qu'est-ce que va faire Hachem? L'Atid Lavo, qu'est-ce qu'il va faire? La grande Seouda. Il invitera tous les tzadikim à une grande Seouda. C'est tout ce que tu as à faire, Hachem? Tu t'ennuies pas? Il va avoir un tout petit problème. La Gemara nous dit qu'il va avoir un petit problème avec cette Seouda, c'est qu'il ne saura pas à qui donner le kiddush. Tiens, Abraham, tu veux faire le kiddush? Ah non, je ne veux pas. Comme ça dit la Gemara. Bon, alors, Yitzhak, tu... Non, mais ça ne va pas, non. Jishia, non, mais j'ai eu Esav. Ah, excuse-moi. Bon, alors, Yaakov, il dit, ouais, j'ai épousé deux sœurs. Ah. Bon, ben, puis d'un coup, il y a le roi David, parce que David, son blata, il dit, Hachem, je suis là, faire ton temps. Kos Yeshuot, et ça, Hachem, Hachem, Ekra, Sabri, Maranan, et il fera le kiddush, le roi David. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Et pourquoi? Au sage, je vais nous dire, parce que toute l'histoire du processus de l'humanité sur Terre a démarré à cause de quoi? Nein, de la nourriture. Quand Dieu arrivera à l'apogée final de la réparation de tout le Etz Hadaat, il finira par une Seouda. C'est pour ça que dans le judaïsme, il n'y a pas de fête sans Seouda. Ça n'existe pas. Par exemple, tu as été sauvé d'un accident. Tu fais Birkat HaGomel? Non, tu ne fais pas la Birkat HaGomel. Birkat HaGomel, c'est où 3 jours tu as été allongé dans un lit alité, où tu viens de l'océan ou de l'avion, où tu sors de prison, où tu as voyagé 72 minutes, mais pas pour un accident. Alors qu'est-ce que je fais? Seoudat Odaya. Tu finis le Talmud. Qu'est-ce que tu fais? Seoudat Odaya. Mais quel rapport entre le fait de manger et le fait d'étudier? Eh bien, parce que nous devons relier les deux constamment. Maintenant que je me suis occupé de la spiritualité, il va falloir que je fasse le travail du côté du bas vers le haut, monter la matérialité vers la spiritualité. Ce qui fait qu'il n'y en a pas. Un jour, quelqu'un m'a dit, et Kippour? Je lui ai dit, bah, t'as raison. Quelle est la mitzvah avant Kippour? De faire 5 repas. Et après Kippour? Seouda de Yetziat Kippour. Comme c'est marqué dans la Mishnah de Maseret Yoma. On dit au Kohen, dès que Kippour est fini, l'air les shalom, va maintenant dans ta maison et manger et boire avec ta femme. Ben d'accord, le mec il vient d'être pardonné, ça y est, il boit, il fait la fête. Mais t'as pas compris. C'est pas tu vas aller faire la fête parce que tu viens de passer Kippour. Tu vas aller faire le repas parce que c'est l'origine de laquelle il y a eu toutes ces fautes. Donc pour réparer le Etz Hadaat, il est où dans la maison le Etz Hadaat? Il est dans la cuisine. C'est pour ça que depuis toujours, toutes nos cuisines ont toujours été faites en général de bois, sauf dans cette génération. On quitte le Etz Hadaat, on a presque fini le Tikkun Mashiach arrive. La femme ouvre une armoire, referme une armoire et range ses éléments, remet ses éléments. Lama.
parce qu'elle se reconfronte toute sa vie au Etz Hadaat. Et le serpent, comme je vous l'ai lu ici, où est-ce qu'il est? Il est dans la cuisine avec elle, en train de chercher tous les interdits, duquel dérive tout ce que nous avons ici. C'est pour cela que même les plats doivent être trempés au mikvé. Tout le inyan de la gdoucha de la maison, ça part de la cuisine. Si elle ne donne pas, comme c'est marqué ici, je vous le lis dans le Shulchan Aruch du Rav Aaron Zakkai, qui le ramène au nom de la Gemara, je suis obligé de vous le lire parce que c'est tellement important. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'Agdama, ça, c'est ça, ça, c'est lui. Voilà. Neymar Batora, Ani Hashem Elokechem Asher Hivdalti et Tremikol Amim. Je vous ai choisi, vous, les enfants d'Israël, parmi tous les peuples du monde, donc pour ne pas avoir des intérêts, faire insulter par d'autres personnes, entre Israël et les nations. Ce n'est pas qu'on est mieux que les autres, c'est qu'on a chacun un tafkid et que notre tafkid à nous, en tout cas, a été fait pourquoi. Vous savez pourquoi Dieu nous a choisi, quelle différence il y a entre nous, les nations. Ici, les Chachamim nous amènent, Vivdalti ben Abema Teora, Letmea, Uminao Fatame, Letaor. C'est simplement qu'on mange kasher et eux, non. C'est bête, hein? J'ai appris ça en Kita Alef quand j'ai fait Tshuva. Là, on le redit aujourd'hui, c'est pas grave. Velo teshaketsu et nafshotechem, quand vous ne rendrez pas vos âmes impures avec des animaux impurs, bebema ou baof, ou bechol asher tarmos ares, asher evdalti lachem letame. Car je vous ai fait la différence entre ce qui était pur et ce qui était impur. Veitem li kedoshim ki kadosh ani. Et ainsi donc, vous serez saints parce que je suis saint. Quel rapport? Bah, tu veux être saint, va dans un couvent pour une femme et un monastère pour un homme et tu dis « Je suis saint. » C'est tout, c'est bien. « Je suis saint. » »« Je suis un saint. » Dans le judaïsme, on est saint quand on mange saint. Tu ne manges pas saint, tu n'es pas saint. Tu es tamé, tu es impur. « Ki kadosh ani Hashem. »« Viv dalti etre mikol amim liot li. » Et c'est pour la kashrut que je vous ai choisi. La nourriture est d'une importance capitale, dit le Créateur du monde. Parce que c'est à vous de l'élever, cette nourriture. Donc faites très attention. Parashat Shemini, ça commence là-bas dans Vaïkra. Voici les animaux qui sont purs. Attention, voici les animaux qui ne sont pas purs. Voici ceux que vous pourrez manger. Et sinon, le Kata Besefer Achinuch, du Rav Aaron Alevi, Shehen Safek Lechol Mishéchlo Moar Bakot Kod, toute personne intelligente qui a un cerveau sous le crâne, qui Hashem Itbarach, Shehu Achochma Mito, le Créateur du monde qui sait pourquoi il a créé son monde, nous met en garde sur l'importance de garder une Neshama Teora qui dépendra de quoi? De ce que tu vas consommer. Si tu veux comprendre ton étude, regarde d'abord ce que tu manges. Fais attention de manger strictement kasher. Fais attention de ne pas manger des tolaïm. Fais attention de ne pas manger des choses qui ne soient pas convenant à la Piatora. Pourquoi? Hein? Tolaïm, ce sont des verres, on l'a dit tout à l'heure. Pas des verres à boire, des verres... Non, pas à manger non plus. Des insectes, quoi. Ve'al tetama, banai, béni, alanyane atum'a, vimlon elam arbe, alkol briya, ki efchar shatum'a tazik et anefesh trilata ksat. Il dit, la nourriture, elle vient toujours te rendre, elle vient toujours t'attaquer, mes petits. Ça veut dire quoi? Écoutez bien les mots. On les connaît tous ces mots, mais je les relis dans le texte pour faire comprendre l'importance de la chose. Regardez ce que vous, les femmes, vous avez entre vos mains. Nos âmes, à nous, sont dépendantes de votre cuisine, à vous. C'est marqué noir sur blanc dans le texte, ici, du Rav Aaron Zakkai. « Vechen shamati adavar mipi chachamim » Donc le Rav Aaron Zakkai, il ramène ça au nom des chachamim. « Kemaen kshambru chazal, masechet yoma, à la page 39, amud bet » Et il dit « Vendit matem bam » Et vous êtes rendu impur en mangeant ce qui était impur. Benit matem katouf milchon timtum. Waouh. Mazé timtum. Boucher dans l'absolu. Mais ça veut dire aussi tam tam. Mazé tam tam. Pam 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 pam. T'as un cerveau qui devient débile. Omer pachout klomar. Shemayanot a sechel. À cause d'une mauvaise nourriture. Pris à la légère dans la cuisine d'une femme. Qui ne fera pas attention à donner à manger strictement kasher à ses enfants. Metumtam. Il rendra le cœur de ses enfants débile et son mari débile. Et il commence à tomber dans un monde de Touma où les pensées pénètrent leurs membres. Venoflim, venoflim, venoflim. Noflim, ça veut dire et il tombe, et il tombe, et il tombe. Donc si j'ai une question à vous poser, pas shoot. Notre yahadout, notre judaïsme, il dépend de qui tachlès?
de la femme dans la cuisine. Et c'est pour cela que la femme, avant de commencer sa vie de maman, quand elle a un enfant, qu'est-ce qu'elle fait? La première chose qu'elle lui fait, elle lui donne ce qu'elle est. La Torah nous dit dans Parashat Shmini, voici les animaux cachers de ceux qui ne le sont pas. Tu passes à Parashat de Shmini et tu arrives dans la Parashat de Tazria, la femme qui ensemence. La première aura quel rapport? C'est bien de mettre les animaux avant nous? Réponse du Pshat, la Torah, cinquième jour, a créé les animaux, sixième jour, l'homme. Réponse du Sod, pour avoir un enfant, tu as intérêt d'abord à lui donner une maison, c'est-à-dire un ventre, non, un lieu d'épanouissement, de... Un refuge cachère. Un refuge qui soit cachère. Si tu as mangé taref et que tu tombes enceinte, ton enfant, il naît dans le taref. Et si tu continues à fumer, regardez de la fumée. Vous êtes enceinte, ne fumez pas. Pourquoi? Parce qu'il fume. Tu manges tamé, il mange tamé dans un monde de Gdoucha. Quand il va sortir, il aura beaucoup moins de force de lutter contre les forces du mal, de lutter contre les ta'avot, de lutter contre l'impureté dans ce monde. Pourquoi? Parce que tu l'as fait grandir dans cet univers. Ce qui fait que quand le mari y vient, toute sa responsabilité, vous savez comment c'est traduit en français? Voilà, la femme dans les fourneaux. Alors vraiment, nous les femmes, on est vraiment des je sais pas quoi, on est vraiment en bas de l'échelle. Quoi? Le Rav Aaron Zakai dit exactement le contraire. La femme est tellement importante, tellement élevée, tellement intelligente, tellement forte, que tous les piliers de notre judaïsme, Chochmat Nashim Ban Tabeta, l'endroit le plus important de la maison, c'est la cuisine. C'est la cuisine, Zeh Midbar. Chez la Bayotse Kola Bitachon. De là-bas sort tout le Bitachon. Ce taquid est tellement important que Dieu l'a laissé à la femme. Là-bas, je te fais confiance. Tu peux très bien te prendre une poêle mal lavée avec du lait, et puis elle te met de la viande, ça va, ne me casse pas les pieds. Tiens, un villa, un imina smola, là, on y gmar. C'est pour cela que de la nourriture, tout part. Notre naissance, quand on sait qu'une personne n'arrive plus à manger, on apprend une nouvelle plus tard, qui est évidente, tu ne manges pas, tu meurs. Quand on fait un chidour, on ne va pas manger avec la personne. Parce que après la nourriture, si cette substance a été consommée, eh bien on tombe. On tombe. Parce que la nourriture engendre d'autres situations. Le soir, il faut manger léger, disent les Chachamim. Ah, il y a une chose qui est sûre. C'est que quand tu manges des mains de ta femme et qu'elle t'a fait un repas mamash, mamash kasher, la madrine et la madrine. J'ai posé la question une fois au Rav Sheinin, qu'est-ce qu'il a rendu si grand en Torah? Il m'a dit, comme ça, de sa bouche, hein, je n'ai jamais mangé autre chose que ma femme, que des mains de ma femme. Comme ça, même le pain, quand il est en mariage, il prenait le pain de sa femme. Atkedekar. Pas parce que là-bas, il n'a pas confiance. C'était kasher, la madrine, le pain, il avait la kippa, il a fait la brit mila, il a fait la bar mitzvah, il avait 15 enfants, il vivait à Meacharim. C'est pas le but. Pas pour dire que le pain il est moins cachère à droite ou à gauche. Avalaya ochel mamash mamash miyedei. Si tu préfères. Mais c'est ma chomer po. Belachen valken arechokot touma shavu batora. Que les femmes se rendent compte, il dit le Rav, que toute la touma et toute la gdusha de notre Torah dépendra de ce qu'elle mettra dans les assiettes de toute une famille entière qui dépend totalement de la mesirut nefesh de celle qu'on appelle Bessachakol maman ou ma femme. Akol talouy ba. Tout est dépendant d'elle. Comment vont grandir les enfants, comment vont se comporter les enfants, la table de réunion, tout ça, c'est la femme qu'on appelle le pilier de notre Yahadout. Akol talouy ba. Tout est dépendant d'elle. Tu vois les mecs, ils n'ont pas le moral. Dans la maison, tu as tes enfants comme ça, tu as le mari étrange. Vous faire un plat ce soir, vous faire kiffer. Un peu de musique. Tu viens avec des plats. Qu'est-ce que tu as préparé, maman? Ça sent bon. Allez, viens, tu vas manger, tu vas kiffer. D'un coup, tu vois à table, tout le monde se réavive. La nourriture remonte le moral. Ah ben, le but, c'est de faire particulièrement attention à cette kidoucha. Il dit tout comme le Bet Abit Bechaim, Amit Bechaim, Shama, l'endroit où on faisait les sacrifices, où on dépeçait les animaux, on faisait dans le Bet Amikdash. Il dit, c'est exactement ce que fait la femme. Quand elle fait très attention de retirer les choses impures d'une cuisine, qu'elle met à la poubelle, ça tu touches pas mon fils, ça c'est Tahor, ça on a le droit. Attends, je vérifie la cacheroute. Attends, tu vas me dire, attends, mais c'est quoi, c'est ça la vie, la cacheroute, le côté religieux? Oui, 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 oui.
Il y a beaucoup de pseudo-rabbanim qui se permettent sans les critiquer. Mais ça me fait de la peine de voir ce côté tout le temps critiquer le monde religieux, le côté cache-route. Oui, oui, c'est la base. Je ne sais pas d'où tu sors, toi, mais en tout cas, tous les livres qui sont ici parlent comme nous, on parle. Pas comme toi, tu inventes ta Torah. Oui, le petit religieux, oui, oui. On est des religieux, Baruch HaShem. Pas dans le sens où notre Torah est une religion, je ne pense pas. Mais oui, notre vie est basée sur la pureté familiale, oui, sur la cache-route. C'est marqué ici dans la Torah. Apparemment, on n'a pas les mêmes siffrés Torah. Puisque aujourd'hui, on est à l'époque des judéo-crétins. Enfin, on ne sait plus qui est juif, qui ne l'est plus dans leur façon de parler aujourd'hui. Mais la reine, Bissiata d'Ishmaïa, le simané à Midbar, les signes de la cuisine, qui ici sont définis par des pages et des pages. Voilà, le livre est devant vous. C'est énorme, c'est très long à lire. Et je voudrais juste finir quand même Rabbeinu, parce qu'on n'a pas fini, pour finir. Et c'est pour cela que les Chachamim nous disent qu'on allume des rechagav, à part cela, des bougies de Shabbat pour que l'homme regarde, observe la nourriture qu'il va manger. Et il faut savoir que la nourriture, quand elle est préparée, Bikdusha Uftaora, ramène le shalom, dit Rabbi Nachman, et retire la colère à l'intérieur. J'avais raconté ça déjà une fois, je le répète encore une fois. J'ai souvent dans les shalom bayit, quand tu veux calmer ton mari, fais-lui un bon plat. Les gens rigolent de ça en disant ah, n'importe quoi, c'est l'on achon. Moi, combien de fois j'ai eu ce genre de discussion? Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, pas cinq fois. Des dizaines de fois. Serait ça normal, je rentre le soir, elle ne fait pas à manger. On regarde comme ça, je dis, franchement, vous vous rendez compte ce qu'il vient de dire? Ah, tu penses qu'à manger? C'est pas le mot qu'elle dit, hein, elle y bouffait. Je regarde comme ça, je lui ai dit, c'est dommage que vous n'ayez pas compris l'importance de faire à manger à son mari. Ouais, bah attendez, moi aussi je travaille, hein, je suis pas sa bonne à celui-là. Non, t'es juste la réincarnation du Nahash, à mon avis. T'as rien compris à la vie. Tu vois trop de films. Des gens qui vivent que dans les films, les feuilletons de utopiques, de Aladdin, je sais pas ce qu'ils font de leur vie. On va les écoles à Inyan. Nos mères, Baruch Hashem, elles ont plus d'enfants que nous, on en a aujourd'hui. Elles travaillaient plus que ce qu'on travaille aujourd'hui. Beaucoup plus, je vous l'affirme. Elles n'avaient pas de machine à laver, elles n'avaient pas tout ça. Pas de lave-vaisselle, elles n'avaient rien. Et elles faisaient plusieurs plats, oui. Ma mère, tous les Shabbats, elle faisait trois plats différents en général. Avaler une chose de sûre. Hein? Il n'y avait pas de thermomix. Nous non plus. Nous non plus, tu me dis, t'as raison. Aval, juste pour finir. Moi, je me rappelle de ma mère, de ma grand-mère, de nos tantes. C'était non seulement pas une tare d'être dans la cuisine pour une femme, mais les femmes le voyaient vraiment comme une fierté. Moi, je me souviens quand mon frère Joël apportait des invités à l'époque, 1h, 2-3h du matin, ma mère n'a jamais de toute sa vie dit, jamais, je l'ai entendu. Je vais avoir 52 ans, je ne suis pas jeune. Et encore aujourd'hui, sur son fauteuil roulant. Maman, tu veux qu'on t'emmène manger? Attends, à quelle heure tu viens? Qu'est-ce que tu veux manger? Une fois, on est arrivé à Tibériade, chez la tante de Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom. Et on lui a dit, regarde, on vient te voir, ne nous fais pas à manger, on a déjà mangé. Petite Marocaine qui fait 1m40, un cœur plus grand que toute la maison, elle nous a fait des poissons, de la viande. Elle n'a pas une thune. Pas une thune. Même pas de quoi payer son électricité. Une table de roi. On avait mangé juste avant, on a dû remanger pour lui faire honneur. Il fallait la voir heureuse de nous donner à manger. Comme faisait Avraham Avinu à la Vachalom. Avraham Avinu, le père de la nation juive, s'est fait connaître par une mitzvah. Une. Laquelle? Achnasat Orchim. Il faisait à manger, c'est lui qui courait. Pourquoi tu ne donnes pas ça à Ishmaël? Ishmaël, va chercher le... Il a dit, mais ça ne va pas, je ne vais pas donner mes mitzvot. C'est une mitzvah pour une femme. Et c'est ce qui explique ici Rabbi Nachman. Quand tu es en train de faire ta cuisine en l'honneur du Shabbat Kodesh, c'est comme si que tu étais en train de tenir les mains d'Hachem. Ta nourriture kula elokut. Voilà ce que tu es en train de préparer. Alors pour ça, il y a des petits secrets. Comme par exemple, quel est le gâteau du Shabbat? Alpi Kabbalah. La tarte aux pommes. Et pourquoi pommes? Parce qu'on rappelle l'odeur du Gan Eden qui est entouré de pommiers, non pas parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un pommier, rien à voir avec ça, mais parce que les barrières du Gan Eden de chacun de nous
Tachatatapouach, en dessous du pommier, je me suis reposé. C'est les allusions de ceux qui entourent le Gan Eden, qui sont justement une grande ségoula de manger des pommes pendant Shabbat. Donc la femme, elle dit, j'ai quoi ? Une heure, je prépare une petite tarte aux pommes. Ah, deux tartes aux pommes, bekef. Cette femme-là qui vient dire ça n'a pas moins de valeur que quelqu'un qui vient de finir une Gemara au Bet Midrash. Ce que j'ai étudié cet après-midi ici. Zéagdoucha Shela. Zéagdoucha Shela. Et on appelle ça le Bet Abid Bechaim. Ça s'appelle le Midbar. Pourquoi ? Parce que tout le bitachon, comme un enfant qui se sent fragile quand il prend le sein à sa mère et qu'il mange, il se sent en sécurité. Il dit de la même façon, tout le bitachon et l'aimuna d'un homme, il vient quand il rentre à la maison et que la table est mise. La table, c'est le Mizbeach. Quand une femme, elle sert son mari, ce n'est pas une servante, c'est une reine dans la Torah. Parce qu'elle tient les responsabilités de toute la gdoucha de la famille. Vous savez ce que c'est pour un homme ? Des fois, ça m'arrive rarement avec ma femme, que Dieu la bénisse, vraiment. Des fois, je rentre comme ça, tous les soirs, la table est mise. Il n'y a pas. Je rentre, tous les soirs. Et quand ce n'est pas, je suis déçu. Je ne lui dis rien. Hein. Ben, je vous dis franchement, quand j'arrive comme ça à la maison, j'ouvre la porte et la première chose que je fais, je tourne. Ben, j'ai faim, je veux bien ne pas manger beaucoup, mais quand même, il y a un moment, on ne va pas. Et je regarde toujours la cuisine et je vois, et je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'elle va me faire à manger ? À chaque fois, je dis, qu'est-ce qu'elle me fait ce soir ? Surprise. Bien, il y en aura. Une sardine avec. C'est pas vrai. Non, Valpérouche, c'est là-bas. Je vous dis franchement, tu as hâte de venir à la maison, qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Alors des fois, je lance des mots comme ça, je dis « Ah, je mangerais bien des pâtes à la bolognaise. » Stam le matin avant de partir à 6h du mat, 6h30. Le soir, c'était la semaine dernière, j'arrive, des pâtes à la bolognaise. J'étais col à cavole, des mètres col à cavole. Je disais « déchiré ». Bon, après, je suis parti le vomir, mais « déchiré ». Lama, non, c'est à cause de mon estomac. Ah ben, lama, c'est très bon de ceci étant. Lama, qui chama. Alors des fois, on a besoin de belles paroles, on a besoin... Un bon plat pour un homme, c'est énorme. Quand tu viens, tu dis, tu sais quoi, j'aimerais bien manger ça. Ma mère, que Dieu la bénisse, des fois, elle me dit, Yaouldi, tu viens demain me voir à Natania. Je dis, maman, tu sais, je peux pas. Ah, dommage, je t'avais préparé un couscous kraouful. Ah, ben écoute, je peux venir avec mes copains. C'est extraordinaire comment nos mères, moi, je vois avec ma mère combien elle est. Si tu viens, je vais te faire un plat. Bah, c'est ça ta vie. Ah. Regardez juste, je finirai avec ça avant de vous donner la parole parce que je sais que vous avez des questions. Mais quand tu vas au restaurant, franchement, est-ce que ça vaut le prix que tu payes ? Si tu fais les courses du plat que tu as dans ton truc, ça lui a peut-être coûté, allez, au grand maximum, avec l'arnone, l'électricité, le loyer, pour ton plat, 11 shekels. Tu payes 60 shekels, 59 shekels. Et tu es là en train de perdre ton temps à dire c'est bon, hein, c'est... donne-moi un peu de sel, n'aie pas un peu de truc, c'est un peu trop cuit. C'est un service, c'est un chien ou tout ce que tu veux. Il y a le kiff de sortir. On est d'accord. Mais alors imaginez quand c'est à la maison. Hein ? Bon, je voudrais poser une question. Non, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Des fois, c'est un besoin. La femme, elle est fatiguée. Tu vas lui dire, ah non, tu n'as pas entendu le cours du Rav Tuitou. Tu dois cuisiner, tu es une princesse. Bon. Bah, que c'est une sortie, c'est très agréable. Il faut juste choisir les bons restaurants. C'était pas ça l'idée. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que regardez combien on est prêt à payer comptant pour aller au restaurant pour manger. Vous voyez bien qu'on appelle ça le loisir et la sortie du plaisir. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est en cela. Quand tu vois des mariages, on te dit 350 shekels à Manan. Mais attends, mais je rêve. 350 shekels. Vous savez combien de courses tu peux faire avec ça ? Et on paye. Pourquoi ? Et on regarde les gens. C'est bon, vous avez mangé le... Pas tornado, le... Non, pas le carpaccio. Le asado. Oh, il était chou, ton asado. Relou. 350 shekels, tu t'es bien fait avoir. Ça vaut pas 350 shekels. Mais si tu vas les payer parce que tu es content d'avoir donné du sourire, c'est bon, vous êtes bien installé. Tout se passe autour de la table. Même si dans l'absolu, ce n'est pas notre culture d'être des mangeurs de toute la journée, aval dans la Yahadout, il n'y a pas de judaïsme sans repas. Il n'y a pas de judaïsme sans Seouda. Et il n'y a pas de Géoula sans la Seouda Shlichit. La Seouda Shlichit est la Seouda qui nous sauvera de Gog ou Magog. Avec du pain. Okay? At Kedekar. Le repas du vendredi soir, on ne fait pas le Kiddush et la Bim comme Seouda. Ton Kiddush, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas à un endroit où tu vas manger ton pain.
Le Créateur du monde, il descend sur toutes les tables juives pour bénir les enfants d'Israël, qui est considéré comme le Misbéar, à un tel point que le Zohar nous dit, quand un homme mange à la table, c'est comme si qu'il apportait un sacrifice qui fait la capara de ses fautes. Mahat Kedekar. Et tout ça grâce à qui? À vous. Non pas parce que vous êtes en bas de l'échelle, mais parce que vous êtes les fondations de toute l'échelle. Et ça change tout dans la vie d'une femme. C'est pour ça que j'avais appelé ce cours, quand tu m'as dit quel titre marquer, je t'ai dit « Marque le sanctuaire de la femme », parce que tu veux que je te dise, quand tu étudies ce que dit Rabbi Nachman, les Kitsur Shulchan Aruch et les commentaires sur l'importance de la kashrout dans le judaïsme et le travail de la femme, la responsabilité de la femme, c'est plus une cuisine, c'est un sanctuaire. C'est vraiment un sanctuaire. Parce que ça part du mikvé des moindres ustensiles jusqu'à la kashrout la plus minutieuse, de bien vérifier les verres, de bien vérifier que la viande a été mais d'ici salé, cachérisé comme il le faut. Mais qui vérifie tout ça? La femme. Quand elle prend ses parties de, comment ça s'appelle, le foie, Shtiva Erev, qu'elle le fait cuire au feu, tout ça, c'est la femme. Ce que toi, tu vas mettre dans ta bouche, duquel va découler toute ta neshama, en dépend, et ton étude va en dépendre. Comme l'avait dit Rav Shach, à la Vachalom, à Ponovitch, à Bnebrak, il a eu un élève qui était le premier des 2000 élèves qu'il avait. Un jour, il est devenu le dernier. Il est venu voir le Rav Shach, il lui a dit, Yesh Ba'aya. Il lui dit, apparemment, chez toi, ta mère ne te demande pas manger cachère. Il lui dit, vous plaisantez, ma mère est... Alors, il lui dit, apparemment, qu'elle vérifie où elle achète la viande. Ils ont vérifié, effectivement, comme on le voit aujourd'hui beaucoup en Israël et ailleurs. La viande du boucher, elle venait pas d'Israël. Elle venait des cousins. Ken, c'est une vraie histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait un tikkun. Le Rav Shach lui a dit, Arshav, Bezrat Hashem, tu vas remonter dans l'étude. Quelques mois plus tard, il était encore une fois de plus le premier. Kizemetamtem, le mot Timtum veut dire en hébreu rendre débile, mais veut dire aussi bouche les canaux de l'intelligence et du savoir. Mais tout ça, ça dépend de qui? Comment le Rav Shach, il lui a dit directement, il lui a dit, ici, c'est sûr qu'on sait où on achète la viande. Apparemment, c'est chez toi qu'il y a un problème. Mais il n'est pas lui demandé, qu'est-ce que j'ai mangé? Il lui a dit, je ne comprends plus mon étude. Et il lui a dit, apparemment, ta mère ne te donne pas à manger cachère. Mais il faut être chutzpan pour dire une chose. C'est pas elle qui n'est pas cachère. C'est là où elle achète qu'elle se renseigne sur les bouchers qui lui vendent la viande. Apparemment, c'est l'obécédaire. Comme ça s'est passé il y a 4 ans ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Vav, où le plus grand fournisseur de cette ville de viande, celui qui a le plus de clients, c'est Abet. Oui, c'est pas à Vav, c'est Abet. Mais je ne voulais pas faire dire que c'est Abet. Je fais exprès pour tromper l'histoire et toi, il faut que tu te la ramènes. C'est bon. C'est bête. Donc c'était Abet. Le mec, il a la plus grande boucherie et ça faisait des années qu'il donnait du taref dans les sacs avec Khalak. Oui, bien sûr, c'est vrai, il a été arrêté. Ils ont arrêté combien? 2 tonnes de viande, ils l'ont arrêté. Shem Ishmorvia. Hein? Maintenant, il prouve que c'est... Bon, s'il a fait tchouba, tant mieux pour lui. Mais en tout cas, moi, ce que je peux te dire... Ani Loeda, ça, c'est pas dépendant de moi, vous avez la rabanoute, vous mettez des gilets jaunes, vous allez devant la rabanoute et vous faites... Si aujourd'hui il a fait le chouvel. Tov, Gurta Verabotai, je vais m'arrêter là parce que je voudrais quand même vous laisser la parole. On a parlé de choses, à mon avis, ce soir, très importantes qui donneront une autre définition de votre cuisine pour ceux qui... Vos questions. Il y a des femmes qui demandent si on est célibataire ou divorcé, est-ce que ça a la même valeur? Absolument. Absolument. Parce que on ne fait pas les choses simplement. La question, c'est une femme divorcée, une femme qui serait seule, est-ce que ça a exactement la même valeur? Réponse, Ken. Toi-même qui as vécu pendant une longue période de ta vie seule, eh bien, tu faisais à manger pour les invités ou pour toi-même. Et c'est en général là qu'est tout le problème. C'est que les femmes qui vivent seules, en général, se retrouvent souvent à ne pas vouloir faire d'efforts pour elles-mêmes. Un bout de camembert, un morceau de pain dans mon fauteuil, avec portée disparue. Parce que comme elle ne trouve pas de mec, elle se dit, tiens, peut-être qu'ils vont le trouver, porté disparu, FBI, je ne sais pas, un truc comme ça. Et si elles prennent de l'âge, elles vont regarder Amour, Gloire et Beauté, ou les Feux de l'Amour, je ne sais pas ce qu'elles vont regarder. Zeperoucha d'Avar, que oui, même dans ce genre de cas, il y a toujours un enfant et qu'elles vont faire, il y a toujours une amie qui va venir, Ken. Ou sinon même, pour elle-même, de faire un bon plat pour une femme. Le problème qu'il y a, c'est que je vous dis franchement, la femme ne kiffe dans sa nature son plat que dans le bonheur des gens qui vont manger de ses mains. C'est quelque chose qui est ancré en elle. Pourquoi? Parce que la première nourriture qui a été prise, quand elle a pris, elle a goûté, mais elle a donné à manger à son mari. Ce qui fait que son retour de goût vient... Par exemple, elle est en train de manger, elle adore ce qu'elle mange. Imagine, elle fait des raviolis, n'importe quoi, d'accord?
Et elle voit que personne ne mange. Elle s'arrête net. Mais elle aime, elle. Hein. J'adore. Elle a mis de la cannelle. D'accord ? Et là, techniquement, comme ça. C'est bon ? Oui. Mais elle a mis beaucoup de cannelle. En réalité, c'est de la cannelle au ravioli. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, vous allez voir qu'une femme va garder son visage si elle apprend que les gens n'aiment pas ce qu'elle a fait. Que non, non, j'ai pas très faim, l'autre il prend pas, son mari lui dit. Elle est vexée. Mais vexée de quoi ? Ça arrive. Ah ben c'est pas grave, on va passer directement au dessert. Ouais, donne des fruits, chérie, c'est mieux. Lama, parce que tout le plaisir d'une femme, c'est quand elle voit tout le monde manger et dire psh, Ezetaïm, quel pain, quel. Akol. En cela, Béhémet, ta femme, Kilou, tu lui as mis une médaille d'or, championne du monde, de quoi ? Bah, tu manges pas, va au restaurant, tu ne veux pas me saouler. Non, il faut que ça te plaise, parce que c'est dans sa nature. Donc une femme qui se respecte, de temps en temps, elle doit se faire des kiffs, elle-même, parce que dans cette cuisine, il faut savoir que s'il y a tellement d'alakhot, comme je vous l'ai lu ici, tout ça, c'est un kitsour Shulchan Aruch. Regardez bien ça. Toutes ces feuilles-là, des milliers de feuilles ici, des centaines plutôt, pas des milliers, c'est que sur les lois de la cuisine. Vous savez, le 3 mètres sur 3 mètres, tout ça, c'est les halakhot, une par une. Regardez de quoi on parle. Et tout ça, ça dépend de qui ? Tout ce Shulchan Aruch, il ne dépend pas de moi. C'est le Shulchan Aruch des femmes. C'est vous qui êtes là-bas. Nous, quand on mange, c'est parce qu'on est boter beishto. On a confiance en sa femme. On sait que ce qu'elle va nous donner, c'est kasher. Donc, même si une femme est seule, nachon, tazmin anashim, elle peut inviter des gens, ou elle, se faire elle-même des plats, parce qu'en réalité, comme tu le sais, je l'expliquais tout à l'heure, surtout quand il s'agit des plats de Shabbat Kodesh, elle prépare pour un invité d'honneur qui ne la quitte jamais. C'est la Shekhina. La Shekhina est dans la cuisine. Maintenant, concernant le manger, au niveau du Baal Tashrit. Oui. Le Baal Tashrit, c'est quand on vient jeter de la nourriture qu'on aurait fait en trop ou qu'on ne veut pas consommer. Alors, c'est quoi la question ? Alors, comme si manger est important, donc il faut encore faire plus attention à ce gaspillage. Même si le manger n'était pas important, le Baal Tashrit, c'est-à-dire celui qui va jeter de la nourriture alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, rendra des comptes. Et il faut savoir que le Baal Tashrit est considéré comme tellement grave dans le judaïsme qu'un homme peut perdre de sa parnassa à cause de jeter cette nourriture. Il est impératif de faire attention à cela, de préparer par exemple dans ton frigidaire, tu as un tupperware, tu veux manger. Il est préférable que tu te resserves si tu as encore envie, que tu en mettes une tonne dans ton assiette pour manger la moitié de ton assiette et de jeter le reste. C'est dommage, comme ça s'est passé le Shabbat où ton fils a mangé à peine un bout de poulet et sa femme l'a levé, ne jette pas, coupe ce qu'il faut, ne jette pas. Lama l'isrokoto. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir cette cuisse de poulet. Pourquoi la jeter ? Parce qu'il a mangé un tout petit bout. Non, je la mange, moi, il n'y a pas de problème. L'eau, l'isrock, même si on a de l'argent, la nourriture se respecte. C'est ça ? En France, on donnait aux voisins, les Gaulois. Mais c'est vrai. On les donnait. D'accord. C'est vrai que c'est aberrant de jeter. Il ne faut pas jeter. Autre question. Madame. Et si on fait la soudage de chute à la synagogue, ça compte ? Vadaï. Madai, c'est où d'acheter le bête à Knesset, comme on fait ici en mangeant du pain, du vin, tout ça, on rechaîne. Est-ce que c'est nous qui allons préparer la sauce d'Ali Machia aux femmes ? Je ne sais pas. Je crois que. Tu veux que je te dise ce que je pense ? Elle pose une question sympathique, Rachel. Elle dit : est-ce que c'est nous qui les femmes qui allons préparer la grande Séouda d'Hachem ? Je pense que cette mitzvah est tellement grande, de ce que moi j'ai étudié, c'est Dieu lui-même qui la prépare. Et je pense que c'est une grande leçon de morale pour toutes les femmes qui disent « Voilà ma vie, allez, la cuisine, le ménage, fais la magin. » Je dis « Oh, j'apprends la mitzvah, qu'est-ce que tu veux chez moi ?» Je pense que c'est Dieu qui la prépara parce qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de combien de mitzvot découlent d'un repas qui a été préparé dans une cuisine. Vous ne vous rendez pas compte. Le chesed, achnasat orchim, donner du plaisir, ça ramène le shalom, ça éteint la colère. Ça fait faire des brachot, birkat amazon de oraita, des remerciements, et ça rapproche les cœurs. Bah. C'est ce qui vient me monter à l'esprit. Hein. Je ne me suis même pas assis à penser au sujet. Tout ça parce que madame, elle a fait... À part la cacheroute, à part toutes les lois, à part ceci. En plus, il se passe des choses incroyables. La femme, elle est en train de préparer une omelette à son mari. D'accord ? Elle lui a préparé une omelette. OK ? Elle est là comme ça,
Alors, Rav Tutu, excusez-moi de vous déranger, il y a du sang dans le jaune d'œuf. Et moi, je lui dis, madame, il est tnouva votre œuf? Attendez deux secondes. Elle ouvre le frigidaire, elle dit, ouais, c'est tnouva. C'est bon, enlevez le sang, vous pouvez consommer l'œuf. Ah bon, mais je ne comprends pas pourquoi. Je dis, parce qu'il n'est pas fécondé. C'est un œuf qui, ce qu'on appelle les œufs autofabriqués. Il n'y a pas de semence de mâle. Donc, ce n'est pas un œuf qui deviendra un poussin. Elle me dit, ah bon, tous les tnouva? Je lui dis, oui, en général, c'est comme ça la règle de tnouva. Le Rav Ovadia, il dit, ce sont des poules qui. D'ailleurs, ce ne sont pas des œufs de grande qualité. Hein. Tu vois la différence du goût entre les œufs fécondables et les œufs qui ne le sont pas. Au niveau du goût, c'est Shamaim Varet. Ok? Aval, je lui dis, t'imagines un petit peu la femme. Je lui dis, madame, vous préparez quoi? Si vous pouvez me permettre, me dit une omelette à mon mari. Elle appelle le rab, elle fait comme ci, elle fait comme ça. Magnifique. D'ailleurs, je dis souvent au couple de. J'ai souvent donné en thérapie aux couples, quand ils sont à table, d'étudier les lois de la cacheroute ensemble. On avait commencé à une époque à le faire. Mesdames, madame, l'omelette, c'était pour lui, c'est pas pour vous. Mais la reine, en étudiant, par exemple, ce livre-là avec vos maris, Dougma, eh bien, vous allez voir que pour une question d'Alakha, vous pouvez passer 2 heures à table à expliquer, à voir et de quelle façon le thon. Vous savez que quand on le retire de l'eau, les écailles tombent. Donc est-ce qu'en réalité, il faut qu'il ait des écailles que dans l'eau? Est-ce que si on le retire à l'extérieur, le poisson, un tel, quelle est l'Alakha par rapport à telle et telle situation? Le thon, c'est bon, mais le thon blanc, c'est excellent. Il n'y a pas de rapport, mais il fallait bien que je dise cette chose. Bon, allez, vas-y, deuxième question. Il y a des femmes qui ne cuisinent pas dans des ménages, des femmes qui ont une cuisinière. Il y a des femmes qui ont de l'argent et qui ont une cuisinière. Alors, l'homme le plus riche qu'on ait connu dans l'histoire, à part Korach et Moshe Rabbeinu, ça a été Avraham Avinu, chez Nehemar, et Avraham Kaved Meod. Avraham Avinu, le Midrash nous dit qu'il n'avait pas moins de 3000 serviteurs et 3000 servantes. Et pourtant, quand il invitait des gens, il y a marqué Vayarot, Avraham Ahare, Abakar. C'est Avraham qui courait faire les courses, Avraham qui préparait lui-même à manger. Et quand une fois, une de ses servantes ou un de ses serviteurs lui a dit « Mais maître, laissez-moi préparer », il lui a dit « Je ne donne pas mes mitzvot ». Je pense qu'il est impératif, vous savez, aux États-Unis, c'est très fréquent ce genre de choses. L'enfant juif parle mexicain super bien, il connaît le christianisme sur le bout des doigts et il mange du bichoul goy toute la journée. Est-ce que c'est bien d'après vous? Moi, je critique ce genre de choses grandement. Pendant que madame fait sa carrière professionnelle et qu'elle laisse dans son enfance, qui est la plus chère au monde, dans les mains de portoricaines ou mexicaines, que je respecte. C'est des gens qui sont payés, je n'ai pas de problème avec ça. Mais, Rosalie, vous préparez ce soir pour mon mari. Vous ne savez pas combien d'énergie passe par la nourriture. Si les gens étaient conscients de cela, tous les tikkunim qui se font et l'énergie qui passe dans la nourriture, c'est, je vais vous traduire ça un petit peu de façon philosophique. Quand un homme mange la nourriture de sa femme, c'est un fluide de sa neshama qui traverse le corps. Il y a une partie, tout comme on vient de dire, c'est partie d'Elohim, il y a une partie de la femme qui passe dans sa façon de faire. Je me rappelle un jour, il y a très longtemps de ça, dans un yeshuv, on était plein d'invités chez mon frère, et quelqu'un il a dit... Ah, il est super bon le pain de ta femme. Il dit, non, celui-là, ce n'est pas celui de ma femme. Non, ça, c'est le mien. Le mec, tu reconnais, il y a quelque chose de personnel qui passe. Il y a le cachet, la personnalité qui s'instruit et qui se conduit dans le goût qui viendra à nous. Dernière question. Plus de questions, Sarah? Non. Pas de questions. Donc, tu retournes dans les fourneaux, Bekef? Tout de suite. Sandrine, Linda, Suzanne, Marguerite, Geneviève, plus personne? Pas de questions sur Facebook non plus? Ça y est, alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Toda Rabba. C'est un cours que j'ai préparé vraiment, je ne mens pas, en 5 minutes, ma mâche. J'ai feuilleté à toute vitesse tout à l'heure. Ah, attention! Éviter de laisser le mari cuisiner et préserver alors la maison de la femme cuisine. Moi, je vous dis franchement, par rapport à la question qui est posée, asseyez-vous, madame. Il y a une dame qui pose une question très sympathique et qui dit, alors dans ce cas-là, hein, Iris, elle dit, donc dans ce cas-là, est-ce que c'est mieux de ne pas laisser le mari cuisiner et tout ça? Moi, je vous dis franchement, dans les temps modernes dans lesquels on est, il serait temps qu'une harmonie se crée.
C'est-à-dire que le mari travaille toute la journée, la femme elle travaille, il est crevé. De temps en temps, je trouve ça bien qu'un homme cuisine avec sa femme. C'est une complicité. Pendant que, par exemple, elle prépare ça, lui va préparer autre chose. Mais pas pour une question de cuisiner, hein, mais pour une question de complicité, de partager des choses dans un domaine où... voilà quoi. C'est le Shabbat Kodesh, les Chachamim, c'est eux qui épluchaient les légumes, par exemple. On voit ça dans la Gemara. Il y a une participation, c'est une façon d'être. Des fois, la femme, pour attirer l'intention de son mari, va lui dire « Moi, ça a été le travail. Et au fait, t'as vu ton cousin ?» Et mais pourquoi tu poses toutes ces questions? T'es inspecteur gadget ou quoi? Non. Son truc, c'est que comme elle est dans la cuisine et que c'est vraiment pas l'endroit idéal pour une femme d'être en plus debout et fatiguée avec ses... Non, elle n'a pas de varice. Et ainsi de suite. Ben, au moins, son mari, il est à côté d'elle et il lui parle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait comme? Mais pourquoi tu veux que je vienne? Il n'a pas compris que ce qu'elle voulait, c'était de l'attention. Alors, elle va laisser de lui dire. Alors, ça a été le travail. T'as vraiment envie qu'on en parle? Non, ce que j'ai envie de faire, c'est que tu restes près de moi, que tu me parles. Alors, au lieu de rester sans rien faire, aide-moi pendant que je fais ça, tu me nettoies ça, tu prends la vaisselle, tu la nettoies. Mayesh, pourquoi? Pour justement relever la femme. Des fois, la femme, elle a besoin de ce côté un petit peu contraire. Imaginez le mec qui rentre chez lui et dit à sa femme, chérie, ce soir, c'est moi qui fais à manger. C'est magnifique. Seulement, le problème, c'est que la bracha harishona, c'est Shema Israël, et la dernière, c'est Mechaya Metim, si elle a survécu. Pas tous les hommes savent cuisiner. Moi, je connais un mec, il a fait à manger à sa femme avec le plastique dans la poêle. Elle lui dit, oh, Rahmet Baba, je t'en supplie, ne touche plus jamais, jamais à cette poêle. Tu me l'as pourri, tu me l'as esquinté. Et le mec, il m'a regardé, il m'a fait un clin d'œil, style. Anilo Yoder. Tov. Hein? Anilo Yoder, s'il avait fait exprès ou pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est le but de ce chiour, c'était vraiment de faire comprendre à la femme que ces travaux ménagers qui, dans cette génération débile à mes yeux, qui comprend rien, mais rien, avec ses internets, et je connais tout, et je visite tout de mon fauteuil. On est dans une génération où les valeurs les plus importantes de notre... ouais, tout disparaît. Et le but de ce chiour, c'était vraiment de vous relever l'étendard de notre tikkun, et que Be'ezrat Hashem, même si le tikkun est fini de par lui-même, il n'en reste pas moins qu'il y a des gens qui vous aimeront encore plus, parce que vous avez fait une messirut nefesh, d'être dans un des endroits considérés comme étant le Etz Hadaat, l'endroit le plus important de la maison. Je ne connais personne qui serait prêt à vivre dans une maison où il n'y a pas de cuisine. Personne. S'il n'y a pas de chambre à coucher, on dort dans le salon. S'il y a un lavabo, comme encore à l'époque, on s'arrangeait. S'il n'y a pas de toilette, on allait dans les champs ou au bout du couloir en France. Il y avait un couloir turc, des toilettes turques au bout du couloir, on s'arrangeait. Mais un endroit sans cuisine, personne ne s'arrange. Pour vous dire combien... Hein, Ilachinami, c'était la cuisine d'époque, c'est Kanoun, c'est pour les Marocains, les Algériens, et qu'est-ce qu'ils font les autres? Pas forcément, moi je suis pas marocaine. Bon, c'est pour les Sfaradis, mais c'est Ashkenaz, alors il n'a pas de Kanoun, moi c'est cachot. Il y a toujours eu l'endroit. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Bon, vous achetez une roulotte, vous savez les caravanes. Vous allez rentrer à l'intérieur, voilà, vous avez la couchette, vous avez les trucs, et la cuisine. Et la cuisine, il y a un endroit pour cuisiner. Sinon, tu peux pas. Imaginez le mec qui part en vacances, ouais. Sa femme, elle est Nida. Lui, il est au régime. Il n'y a pas de cuisine. Une balle dans la tête. Tov. Kol tuv ve be'atzlacha.